Nous avons donc le choix de repartir à zéro ou de consolider les acquis. On va consolider les acquis. Voilà. Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue le Seigneur Jésus-Christ, au Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Chedjomou Kenji, le membre simple de l'UDPS qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Comme vous le savez, l'actualité se cristallise autour des élections qui auront lieu le 20 décembre. 2023, des élections qui, pour nous les patriotes, sera une source de délivrance, de la libération, de l'indépendance de notre pays, évidemment, face à nos ennemis, les ennemis des Congolais, qui sont les kabilistes, qui sont les katumbistes, qui sont les occidentaux mafieux, qui veulent que la pauvreté, l'humiliation du peuple congolais puisse perdurer à jamais. Évidemment, ils vont échouer. Alors, au sommaire aujourd'hui, évidemment, il y aura une partie pour conscientiser. Et aussi, on va parler de la problématique de Fayulu. Pourquoi Katumbi veut corrompre le secrétaire général de Fayulu? On va comprendre. C'est-à-dire, opposition, il y a Pété, Bakabouani, Batelengani, Tour de Babel. Et puis, comme vous le savez, l'actualité de hier, c'est la descente du président Félix Tshisekedi chez eux, chez lui, au Katanga. Namo Kanaye, na Katanga. Le Katanga fait partie du fief électoral de Fatih Béton. Vous avez vu, vous moni ba image, plus de 3 millions à 4 millions de Congolais, ba yoko yambaye de l'aéroport, na Lubumbashi. Tina point de chute. Il y a certains qui ont passé la nuit là-bas à l'aéroport de la Luano pour attendre le guide suprême, pour attendre le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi numéro 20. Moutounionstou numéro 20. Voté numéro 20 le 20 décembre. Et voilà. Donc, Toro Lomelango, et puis dans ma information, monsieur Toro Soa, Nengeni ni pa peuple équateur. Bah, ici, c'est la vérité. Il y a Ziggy Katumbi, l'étranger. Il a tombé dans la masse Lelo. Mais laissez-moi remercier, bah, on y a un commentaire, là-bas, l'émission que vous êtes très nombreux, vous allez vivement, ébélé. Hier, je vous ai parlé des gens qui ont soutenu que Djomou Kenji, sur Bazaïka 2, 3, tant la banane qui va émission, oh, yo. Baza, ébélé. J'avais oublié, un de mes amis, Jean-Marie Tshibangu. J'avais oublié Jean-Marie Tshibangu. J'avais oublié les révolutionnaires Kolé Mwanza. Donc, Albert Mutoka Munda. Donc, Bazali Ebele. Namoko, j'appelais mon oncle, l'honorable Jean Moutala. Bon, je ne le vois plus, n'a habité. Maman Gisèle Tchoa. Maman Audit Oreille. Donc, ceux qui n'ont pas émission, n'ont pas 10 views. Et ils ne manquaient jamais. Donc, voilà. Batoyo, et puis c'était nombreux par qui belé. Maman Charlotte, par exemple, depuis Kala, quand j'étais chez Maître Dona. Donc, beaucoup t'as toujours, toi et tout là. Alors, s'il vous plaît, la poésie papier. Alors, Moubikaï, je salue Marie-Jeanne Kalonji, je salue Pamphile Yanga, la Pessimbote, Manoulou Sambo, je salue Maman Agathe Kabeya, je salue Ndokonanga et Yenga, je salue Anto. Lomia à Denver, à Colorado, je salue. Josephine Oiseloa, je salue. Tina, je salue. Didiane Tamba, Taliban et Congo, la Pessimbote. Thierry Mounoko, je salue. Thomas Mboma, je salue. Bazali, ebele. En tout cas, j'ai eu une surprise. Moutouma, on continue à Pessinga, commentaire, on a une surprise terrible. Monique Kalonji a rappelé un coin de 40 ans. Je me suis marré à fond. Donc, coin de 40 ans ne tombera jamais.
Je salue petite sœur Nangaï, na quartier na Ozone, Monique Kalonji, je salue. Kati Kalonji, je salue. Miss Kakalonji, je salue. Mamie Kalonji, je salue. Pamela Kalonji, je salue. Donc, toute la famille Kalonji, le papa et la maman, je salue tout le monde. Voilà. Donc, londonienne, bah, Ebani, la petite maman beauté, Kati, Pamela et Miska. Voilà. Donc, merci beaucoup. Aujourd'hui, émission que tu m'as dit, partage en haut, tiens la bagoute, la bagoupe, prends mes athées. Mais le plus important, Zali, intéresser les, bah, proches naïo. Oh, bah, ça, bah, profati. Copé sa kabiliste était, copé sa katoumiste était. Copé sa t'es. N'en a besoin, copé sa baroté. Puisque, copé sa tribaliste était. N'en a besoin, bah, changer t'es. J'ai pas le temps, n'a changé baro. N'a l'ingide, n'a consolidé, n'a sensibilisé les profati, bah, toi, des pèses. Y a un monde qui a besoin de sensibiliser, baro. N'a sensibiliser, baro. Puisque, y a trop de intoxications, y a trop de manipulations. Donc, y a un monde bah, manipulation, Zali, bah, intox, Zali, n'a l'expliqué, baro, bien, bien, bah, comprendre tout et tout là. Voilà, c'est très très important pour comprendre la logique Nangaïwana. Alors, à l'émission passée, je vous ai parlé d'un pasteur. Non, avant qu'on a pasteur Wana, il y a un commentaire, il y a maman, Ndegolangaï, un frère. Maman Patricia, je salue, la personne beauté. Maman Brigitte, la personne beauté. Angèle Bakaji, je te salue là où tu es. Biloti Mavungu, maman Agnès, Ngaloula, London, la personne beauté. Alors, Ndegonangaï, Congo, il nous explique, la Cour constitutionnelle n'octroie jamais la nationalité à une personne. Donc, il faut toi et Bayamo. C'est un principe juridique reconnu partout dans le monde. Cour constitutionnelle appelle ça passeport, appelle ça nationalité. C'est le ministère de l'Intérieur, c'est le travail du ministère de l'Intérieur. Le passeport est un titre de voyage. Passeport, on a dit titre de voyage. Alors, pose un passeport. Il faut payer ça, document, boyer. Il faut payer ça. Tu dois présenter un certificat ou une attestation de naissance pour les autochtones. Soro botami na mboka, neti, mes enfants, tout et tout là, bah, nda ochi tekutekou, bah, Emile, na Stanislas. Donc, le roi va botami na Angleterre, wa. So, il va une base, un passeport. Il y a anglais, bango ba romema attestation de naissance na bango. Alors, ceux qui aux ali naturalisé au komema certificat de nationalité. De ba pécho passeport. Alors, on remarque que les autorités zambiennes pointent du doigt deux documents que possède Katumbi. La carte d'identité zambienne et le passeport diplomatique zambien. Or, la RDC a la carte d'identité. Alors, notons au passage qu'un passeport diplomatique ne s'octroie que pour des faits politiques. N'est-ce pas, maître Gims, basu en haut. Alors, le passeport congolais de Katumbi est-il ordinaire ou diplomatique? Les amis, ordinaire. Alors, est-ce que le ministère de l'Intérieur lui a donné un certificat de nationalité? Donc, Biloro Alenios, tout, on va se poser la, toi, élection si la, on va poser ma question à la Katumbi. Et que je vous kenya zone ngawo ça bino ba le robot. Ce qui bomoni le gouvernement ne fait rien. Bomoni le président fait ce qu'il ne fait rien. C'est la responsabilité de tous les Congolais. Constituons-nous un groupe de pression pour le dossier de Katumbi. N'attendez pas que le président fait ce qu'il dit à ça Moussala. Pourquoi je le dis? Parce que le président fait ce qu'il dit à sa président de la République, chef de l'État, a subir ma pression Moussoussou. Extérieur. Mais c'est tout le monde en haut. Alors, sur la pression, ma pression va américaine, va anglais, va français, tout là. Ma banque mondiale, ma FMI. Ah, sur le monde de Katumbi, ton pesayo, ma fonte. On va pas soutenir le budget du Congo. On se comprend? Ma genre, on est ma pression. Alors, c'est le peuple qui doit se prendre en charge dans le domaine Oyo. Que Jomou Kendi, Azabo, insister, dans le Rwanda. Dans l'émission passée, je vous ai parlé d'un fameux pasteur, un charlatan d'ailleurs. C'est pas un pasteur. Si on a bien un pasteur, je pêche. C'est un charlatan. À qui on lui voit des bêtises. Oh voilà, Namboujimaï, tu sais là, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de l'eau, tout et tout là. Une situation, oh yo, belge, à Salabi Soaro pendant 80 ans, Mobutu, 32 ans, Kabila, 22 ans. Cela va calculer Wana. Pas d'investissement au Kassai. Parce qu'il y a Zoninga dans 5 ans, le Kassai est comme à New York. Au moment où il ne fout rien, il est pasteur à l'église,
n'a même pas de poulailler, il n'a même pas de plantation. Attends, moi, place moi il va dans la montée. Alors que Jésus-Christ, rappelez-vous de notre Seigneur Jésus-Christ, quand il allait prêcher, qu'est-ce qu'il a fait? Attends, maintenant, quand il a repêché, il a vu un enfant avec des poissons. Jésus-Christ n'est pas venu avec le poisson. Il a trouvé le poisson dans le peuple. Il a trouvé le pain dans le peuple. N'abattoir à son côté. A zu yango, a sambeli, a multiplié yango. C'est ça l'investissement. Pasteur, quand on est dans ma bonza, on a un peuple. On relie yango, t'es à yote. Zo yango, multiplié yango. Investir. Si maintenant on investit, le produit, on le reçoit. On boit yango, on a peuple. On est rotika là. On zu yango, les sous-sous. On investit. C'est ça, c'est que le Seigneur Jésus-Christ nous avait dit. Explication spirituelle d'un économiste de la parole de Dieu, de Jésus-Christ. Voilà. Donc, ce pasteur-là, je vous avais dit, attaquait le président Félix Tshisekedi. Il attaquait les députés, n'est-ce pas? Tous les députés provinciaux, il y a Kassai Oriental, ce sont les membres de l'UDPS. Donc, il attaquait l'UDPS et son chef. Donc, il attaquait Félix Tshisekedi dans son fief naturel. Donc, bah, pasteur, on a beaucoup de bah, alors, quelqu'un qui n'y va plus loin dans la salle, ma sensibilisation, là, oh, yo. J'invite les gens à intégrer l'UDPS. Tony Sala, mon frère, là où tu es, je te salue. Intégrons l'UDPS. C'est bien de faire le combat. C'est bien de lutter pour le pays. C'est bien de lutter pour l'indépendance, la liberté du pays. C'est très bien. Mais lorsque tu n'es pas intégré dans une structure de combat, ta lutte est abstraite. Ta lutte n'est pas concrète. Ta lutte sera concrète lorsque tu vas t'inscrire dans une structure de combat, dans une structure révolutionnaire comme l'UDPS. Pourquoi je le dis? Parce que les humains, notre temps de vie sur Terre est allé éphémère. Alors, si on doit se tenir dans la vie humaine pour tenir un combat, le combat va se lasser, le combat va se fatiguer, le combat va s'interrompre. Alors, si on continue, il y a structure de combat. Dans la structure, il y a des humains. Et il y aura une continuité du combat. Le combat sera, ça veut dire qu'il y aura de la relève dans le combat. Il y a des jeunes, il y a des UDPS. Luka structure à UDPS dans la ville, dans le pays, dans la région. C'est ça l'objectif, il me semble que Jomu Kenji. C'est ça. Alors, tant qu'on continue à faire une UDPS, lorsque vous serez jeune, dans la majorité, vous allez diriger une UDPS. C'est très important. Intégrons l'UDPS pour perpétuer le flambeau de la révolution pacifique congolaise. Je prends un exemple. Le président Félix Tshisekedi, à la moutée UDPS, comme président de la République, a imposé la gratuité scolaire à niveau primaire. Dans le second mandat, il y a un matériel à niveau secondaire. Peut-être pas humanité, niveau secondaire. Alors, il y a un Longwanaï qui vont continuer gratuité Wana. C'est ça les aspects pratiques de la révolution de l'UDPS. L'aspect social. Non, on continue en haut. Et nous voulons aussi que cette gratuité est kené dans l'université. Dans l'Écosse, l'université Ezali Ofele, c'est l'État Salarayango. Donc, on peut organiser au Congo des universités dans le niveau Nicolo, Oyo et Sika. Et ça dit, l'État a toujours en charge. C'est possible. Mais c'est possible dans le temps. Ça peut prendre 30 ans, 40 ans, 50 ans. Alors, continuer l'idéologie. Il faut intégrer mouvement politique. Oyo, et ça dit, il y a eu des UDPS. C'est très, très important. Tout et tout là. Alors, je voulais aussi qu'on mette un matoï sur ma sonnette au Léka. Oh, voilà, il y a des détournements. Oh, bah, on va détourner un bon. Attention, intoxication, manipulation. Attention. Merci la présidente, par exemple, Bélé. IGF Azali Wana, le président Félix Tshisekedi, pour lutter contre la corruption et le détournement, a dit, Jules Alingaïté, à Téléni Wana. Dans des entreprises, bah, il y a des sous-soutés. Vous avez vu l'ONATRA? Bah, Sombi, bah, bateau, na bah, Sika. Bah, Sombi, bah, bateau, Sika. C'est parce qu'il y a du travail. Parce qu'il y a du contrôle. Oh, bah, il y a des gens 100 jours, l'Ukuta. 100 jours, bah, ceux de Moutou et Zali. 100 jours, bah, maison préfabriquée, bah, ceux des Zali.
Chile genou batongi banzela na Mbujimayi na Kananga na Kinshasa batongi. La réalité est la suivante. Je vous prends l'exemple comme route Elengesa. La route Elengesa a été tracée en 1971, en 1971. Alors, lorsque vous laissez une route, une terre déjà tracée pour Batia Makadam, Batia Bitume, tant que boutique est au vide, boy. Il y a un adage qui dit la nature a horreur du vide. Moula tant que remettre ça à Nîmes. Ça va couper la route, ça va créer les érosions. Pendant plus de 50 ans, Nzela Wana et Beba qui érosion Maboulou. Alors que Balobi, 1 million de dollars américains pour 1 kilomètre de route. C'est ça, c'est dans une route aplanie, terre et plate. Mais quand les érosions, ça sera plus 1 million, ça sera au-delà. Ça sera au-delà, c'est ça le problème que nous avons au Congo. Une route qu'on a prévue peut-être 6 millions de dollars, 8 millions de dollars pour la basse à l'Anzela. Pour les routes de ça, il fallait qu'on soit ma belle, qu'on commence à qu'on a érosion. Wana. Acheter des parcelles de part et d'autre. Acheter des parcelles de part et d'autre. Ça n'a pas été prévu dans le projet. Qu'on soit là-bas collecteur d'eau, au érosion, maïs, colo, et qui sont dans le ravin. Ça y est, c'est la raison pour laquelle le roman a facturé son matin. Nous reconnaissons que les Congolais sont des voleurs. Ça, c'est vrai. Et ils vont profiter pour gonfler les enveloppes Toyebi. Mais la réalité, oh, il y a la rue Sabino Wana. Voilà. Banderonara Tokoya, la Bino Wana. Alors, nous sommes tombés sur une vidéo. De Ronara Moïse Kabongo, à Tine Lingaro. Une vidéo. Les Kassayens, Kassai. Il y a un groupe déjà, et c'est Longwa qui déjà, Bakomi na bango déjà na Kassai. C'est ça. Voilà. Donc, Keto Mukendi dit simplement bravo. Bravo, c'est un courage. Hein? Faut être courageux. Donc, si vous pas à Batou, si vous avez dit que 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 les autorités au niveau de Mbujimayi, basse la structure d'accueil, ba Congolais, au bazo, aux zonga chez eux, ba yamba bango, ba tchabango, peut-être dans ma village, na bango, soit basse la structure d'accueil, et ce qu'a basse la rokene. Moi, je trouve que les bien, quand tu vois le danger, surtout dans une famille, tu as la femme, tu as des enfants, na ba événement, tout le monde a dit, na ba lembankoulou, donc tant bon moni déjà, que non, y a un danger qui arrive, bon, bima déjà, par mesure de précaution. Bon, tika kaka, ba jeune, Turc, ma jeune, il a courage à ma casse, basse à la kuna, pona, l'ultime combat, combat des siècles, et go betama, ba foi, ba chala, bozui ba maman, bozui bana, bozui si ba wana Mbujimayi. Que les jeunes garçons, ba petit on a la monaga na kasa ya ba trésor, ba go ba tikala. Ce sont des commandos. Basa ba commando. So mona muta ame mi saka muchanga na dipekato kima. Mwana 14 ans, mona o, yo mona o. Que je mouke nja vu ça. Que je mouke nja ki ake si ba saka muchanga boya me li pema. Baba Charlotte diga ba blonga boya. Alors, dossier Fayoulou. Tu continue la dossier Fayoulou. Ba les opposants, ba komi ko, ils commencent à se tirer entre eux. Ba zo bo na ba mona ba mo. Ton mouni secrétaire général, il y a Isidé, il y a Martin Fayoulou, à l'équipe na top Congo, à la Panzi Katumbi, à Panzi Matata Pogno, à l'embarmoro Moutoupe, il y a Katumbi, pas l'équipe, à répliquer.
Ça, c'est pour la gloire de qui? La gloire du peuple congolais. Qu'est-ce que le peuple congolais peut dire? Merci à Dieu. Maman auditeurée, Aïpsanga proverbe Moroboué. Bouangabi dingijilou, lousanzu du koulou. Bouangabi dingijilou, lousanzu du koulou. Angelina Bakaji. Beloti Mafungu. Monica Longi. Bouangabi dingijilou, lousanzu du koulou. Tosaka pour la Congo. On s'est agénué. On a prié pour le Congo. On a jeûné pour le Congo. On a souffert pour le Congo. On a prié pour le Congo. On a prié le bon Dieu pour le Congo. Pendant des décennies. Donc, au cas où on était, on s'entretuer, on a barré, on a barré, on a secret. Alors, quelqu'un qui nous dit ceci. Pourquoi l'étranger Katumbi veut acheter le secrétaire général de l'ECID, Devos Kitoko? Évidemment, il a échoué. Pour la nini. Donc, ça, c'est qu'on réflexion. Alors, toi, Renan Bilili, qu'est-ce que lui-même Devos Kitoko a dit? Yemoko a lobby Ango, on voulait le corrompre. Yemoko a lobby Ango, ça qui nous a dit. Yemoko, secrétaire général, il y a Martin Fayulu. Yemoko a lobby Ango sur Top Congo. Voilà. Écoutons. Concrètement, ici. Quel est le sujet pour lequel tu es Yawa? Mais Thierry, il y a un journaliste. On a corrompu tel, oh corruption boy, oh on a la musique. Hein? Moi je veux dire comment on débauche quelqu'un, comment on corrompt quelqu'un. Par ma papa Bibimba. Je veux dire ça. Qui vous a corrompu? Je veux dire ça. Qui a corrompu qui? Il y a qu'un épisode, on a un peu les lois, on a compris ça. Voilà. La personne qui parle, c'est Devos Kitoko, le secrétaire général de Fayulu. Bah, même là, qui est mbongo, bah, corrompre, 2 millions de dollars, bah, corrompre, pas, bah, takatumbi. Bah, là, bah, mbongo, Olivier Kamitatu, n'a dit à je crois que c'est Hervé Diakese, quelque chose comme ça. Bah, on est, bah, même là, qui est mbongo, pas katumbi, na Devos Kitoko, na Afrique du Sud, pour la nini, pour Andima. Non, bah, même là, mbongo, pourquoi? Parce que Fayulu ne veut pas attiquer là. Katumbi a la candidat commun. Alors, bah, si quoi, bah, ça, anini, bah, créer des ordres, na kati a essayé, na kati a lamouka, y'a Katumbi, bah, débaucher, Devos Kitoko, qui est le secrétaire général, y'a Katumbi. Y'a bisonini, peuple congolais, y'a bisonini, bah, prof Fati, y'a bisonini, bah, t'as eu des pèses. On est là, qui est toujours observé, bah, on, tout ça, on s'est là. Tour de Babel. Alors. C'est la raison pour laquelle Kejo Mukendi a réfléchi. Pourquoi Katumbi veut acheter le secrétaire général de l'ECID Devos Kitoko? Pourquoi? Je ne sais pas si je suis un bon homme. Olivier Kamita, tu as Hervé Diakese. Je ne sais pas si je suis un bon homme. Et le secrétaire général, il est parti à Matata Ponyo. Il dit 3. Est-ce que Fayulu est-il le faiseur de roi en 2023? En 2023, c'est Fayulu a commis faiseur du roi. Quels sont les enjeux autour de Fayulu? Est-ce que Fayulu est-il acheté par le président Félix Tshisekedi? Nous, nous disons oui. Pour avoir déposé candidature. Agnon déposé candidature, pourquoi? Alors, déjà, la poche, déjà, Moukoua Tombo, là, si Batien a fait. Pour quand maintenant, en 2024, Batien est vice-premier ministre. Alors, le premier ministre était vice-premier ministre. Boka mwate. Na mouzi tope. Boka mwate. Bango tout. Bango zonga. Bango zongi zongi. Bango nyos tout. Félix Tshisekedi, un grand politicien, avait déjà vu l'importance de Fayulu dans le processus électoral avant Katumbi. Et Félix Tshisekedi avait déjà pris longue à Fayulu. Déjà. Est-ce que Fayulu va-t-il désister au profit de Félix Tshisekedi? Nous disons non. Fayulu sera candidat jusqu'à la fin. Tina le 20 décembre 2000, jour à jour, le 20 décembre, on a toujours candidat. On désisté pour la biso, Félix Tshisekedi, toi, la besoin d'en voter. On n'a pas besoin que Fayulu a désisté. Tu repères à plus qu'on a différents scénarios. On est connu qu'au Salem. Scénario du Bosso, on est connu qu'au Salem. Les différents scénarios autour du candidat Fayulu. Premier scénario. Si Fayulu
reste dans la course jusqu'à la fin, le 20 décembre, qu'est-ce qui va devenir? Qu'est-ce qui, c'est très bien pour nous. C'est très bien pour nous parce que le voix de l'opposition est pété. La fausse opposition seront dispersées, seront divisées. Nous sommes tous dans une élection à un seul tour, à deux tours, un seul tour. C'est très bien pour nous. Et aussi, très bien pourquoi? Parce que le président Félix Tshisekedi gagnera avec un grand score et surtout, il y aura un grand écart entre le premier, Félix Tshisekedi, et le deuxième. Ce Katoumé, on a le deuxième écart de Zamoulaï. Ce Fayou, on a le deuxième écart de Zamoulaï. C'est ça l'avantage de Zamoulaï. Mais dans tous les cas de figure, Félix Tshisekedi sera gagnant, sera champion. Il aime t'en gagner ma élection. Deuxième scénario. Si Fayou ou Martin Fayou nous désiste au profit de Katoumé, tout ça dit que Martin Fayou a la mouki na tongo, pour mon IEP Fayou, Lazara, corruptible. Il est très malléable. Tout et tout là. A ça, il y a une immoralité dans la Katinae. Donc, avant, on dit Mambonga Katoumé. Katoumé, on a un peu de 50 millions de dollars. Car Fayou a désisté. Alors, s'il désiste, même s'il désiste, Félix sera toujours le premier. Dans l'élection, il y a un seul tour. Faut me comprendre. Hein. Alors, Félix sera toujours le premier. Mais le problème qui est Rosalawana, l'écart entre le premier et le deuxième sera amoindri. C'est-à-dire Katoumé a remata moi le colo volume naïe. Mais a regagné Félix Karaté. Mais a remata moi volume naïe a approché. L'écart sera diminué. Dans le premier scénario, même si bien que non, écart est amoulaï. C'est ce que nous voulons. Mais dans le deuxième scénario, l'écart sera amoindri, mais Félix Tshisekedi sera toujours le premier. Troisième scénario, si Fayoulou désiste, Martin Fayoulou désiste au profit de Félix Tshisekedi. Selon Kedjomou Kenji, je connais les sympathisants de Fayoulou. La plupart, ce sont des tribalistes. La plupart, ils détestent Félix Tshisekedi parce que Félix Tshisekedi est à Moulouba. Je ne vois pas comment, même si Fayoulou désiste au profit de Félix Tshisekedi, dans un moment, on va voter Félix Tshisekedi. On va voter. La majorité de l'électorat de Katoumé, Bago Kende, et pas la majorité de l'électorat de Fayoulou. Bah, si Fayoulou désiste au profit de Félix Tshisekedi, bah, on a un mot d'ordre de Fayoulou, bah, qui n'est pas à Katoumé. Ça, c'est une réalité selon Kedjomou Kenji. Donc, mais, dans tous les trois scénarios, le premier, c'est Félix Tshisekedi. Le premier scénario est le meilleur. Et je crois, il y a un au sein de ma pauvre Fayoulou, qui n'est pas à Souka. Et puis, voilà, Félix Tshisekedi sera le premier. Et il y aura un trop écart Yamoulaï parce que. La fausse opposition est que, voilà, bah, vous allez mietter. Moukoué, Garzouan Dambou, Fayoulou, Azun Dambou, Katoumé, Azun Dambou. Voilà. Donc, pas si, la pas si. Alors, Toké Mbangou Mbangou, na, Toké Sko la Lubumbashi. Le président Félix Tshisekedi au Katanga. Plein n'a plein. Plein n'a craqué. Et Zalima s'est quitté. Plus de 4 millions plutôt de Congolais, personnes au Bakenegi dans l'aéroport et au Bazalek le long des avenues pour accueillir le président Félix Tshisekedi. Et je vous rappelle que ce n'est pas la première fois qu'il est Katanga. Ce n'est pas la première fois. Donc chaque fois qu'il est plein toujours. Il y a plein toujours les acquis de débordement. C'est un message. Ils ont lancé. Naba, ennemi à Congo. Un message va se lancer dans deux faux Katangais, deux faux Congolais. Rwanda Kabila, faux Katangais. Zambien Mundele Katoumé, faux Katangais. Va lancer un message et naba parrain naba ngo oyo bazali ba occidentaux mafieux. Plusieurs personnes pour accueillir le président Félix Tshisekedi à l'aéroport. Certains ont même passé la nuit. Et le président Félix Tshisekedi, durant toute la journée de hier, Félix Tshisekedi a atterri la nuit. Il a marché avec son peuple. J'ai rappelé un élément, mon roboï. Félix Tshisekedi n'a pas peur. Et Véza Radio, Totier Labino, Botal. Ville et Yindi.
eyindi Lubumbashi eyindi. Donc moya tambo les athées pleine à craquer. Yawala zota mwana kar na ye, peuple a zingiye. Yawala sipo a kitina mutuka, il est descendu maintenant, il marche avec sa femme Denise Nyakero, son fils Anthony Tshisekedi d'Azawana. Ma Fabrice Bakozwa na anate. Yawala Fatima zota mwana, na Lubumbashi. Dans son Katanga, ils ont yé, Katanga yé tout. Voilà, Fatih Béton, il est là, il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Il y a un autre tamboulet. Il y a un autre tombolo. Tizaka, on s'en a bino. Chimbu boui. Vous jouez avec Fabomoni Yewanaki. Yewanakiti. Pas de peur. Moi, j'ai observé Félix Segui en train de marcher. Il n'a pas peur. Et aussi, on a remarqué qu'il est plein d'énergie. Dans la Bible, il non. Énergie de Rodore et Zongi sous à zéro. Énergie, les sous à zéro. Donc, j'étais. Moi, ce Bongo, je joue avec la image de Moussou. Bande Ronangaï, oh, ça trucage était. Sur Otali, image Romona, oh, ça drone de Mati Nicolo. N'a pas mis plus de 4 millions de batou. Mais oui, Amaï, image en haut. Écoutez la chanson. Mon nom. Ok, bazo yemba boye. Kwende kwa bo, Moïse, Congolais. Moïse a Congolais te, kwende kwa bo. Bazo yemba wona Lubumbashi, na Katanga. Oya lobi ke yaza populaire. E batwa mazembe bango yeyo. Batwa mazembe bango yeyo, pe bazala kiwana. 100% de mazembe soutien, Félix Tshisekedi Fatih Béton. Bangwana. Ma supporter la Mazembe, Bangwana. Si vous voyez, on gagne l'élection. Si vous voyez, qui va Katanga ne va yembi. Ba louchoua ba yembi. Ba yembi, c'est ba yembi Katumbi, non? Katumbi, osa Congolais, te, zonga la mboka na yo. Si vous voyez, la Katumbi, yo ba tuna yo ensemble. Ba go yembe la Félix Tshisekedi, na ville nini. Chant oye ba yembe ni yo. Ba go yembe la go Félix Tshisekedi, na ville nini. Na Mbujima, ye. Alors, tozo zela, na Mbujima, osa la plein boui. Ou les fief naturel, il y a Fatih Béton. Donc Fatih Béton, photo Félix Tshisekedi de Gaulle qui t'a dans l'aéroport au Boé, dans Mbujimayi, 6 millions de bateaux. Alors, si Félix Tshisekedi a celle-là, on a fief Oyo, soi-disant, on appelle Congolais, on a Katangete, soi-disant fief Nayo. Félix Tshisekedi a 4 millions de bateaux, il y a un bail. Contre 3, pour 3 millions de bateaux, il y a qui s'engagne. Si vous avez besoin de Sarah, vous avez besoin de tout là. Moïse Katumbi, il change ceci. Moïse Katumbi n'est pas Congolais qui rentre chez lui. À l'unisson, les louchois demandent à Félix Tshisekedi de retourner Moïse Katumbi chez lui, car il n'est pas Congolais. T'es radio, t'es bino, ma solo, pour moni, bino moro tout là. Alors,
Katumbi wana tozo beta masolo na ye. Mfuilu si mfuilu. Mpiaka si mpiaka. Asali mpiaka na Ekwateur. Sikoyo, toyoka ba reaction. Évidemment, ba, na esi bien Ekwateur ba panzi mboko, mbongo terrible. Mais ba to Ekwateur, tant ka basu mbongo na bango, évidemment, ils étaient là. Ils étaient là. Tant basu mbongo na bango, ba bandi wo kritike. Mbongo. On est quoi terre la Guémena. Donc, Babi, Bayoki n'a pas eu le côté, Aïbi ou Linga la tête, Aïbi ou l'obé le côté, Bayoki n'a pas eu le côté. Fallait présenter Baron Maman, à présenter Maman T. Alors, le côté à Félix Tshisekedi, je vous avais dit, partout où le président Félix Tshisekedi est en train de passer, les meetings du président Félix Tshisekedi se transforment en tribunal populaire. Ils ont précisément un tribunal populaire. D'une part, il y a le chef de l'État qui a commis le rôle de juge, peuple naïe a commis plaignant. Yé moutazo ko funda, ba gouverneur, ba ministre, ba mandataire de l'État. Mitika fait Tshisekedi yangwana. Et il doit, il y a interaction avec son peuple. Azo loba. Azo y ba population ba leka, ba loba, ba déshydraté na bango, ba problème na bango, tout et tout là. Alors, voilà. Tozo ko insisté. Population ya Kasai, ya Mbujimayi. Soki kaka boyoki kaka, boyoki kaka katumbi ya royal akananga. Aroya na Mbujimayi. Aroya wapi. Ville morte. Ville morte. Et là, on me souhaitait ville morte. Décrété ville morte, Mbujima et Mobimba, Kasai Mobimba. Alors, oh, Toloba Kite, Tozoïf Sabino, en politique, tant que mon adversaire a ça là, attaque, il faut qu'on tient contre-attaque. C'est très, très important. Alors, du côté sécuritaire, la rana le rappelle dossier sécuritaire aux Ali, très, très important, na Bisso Awa. Du côté sécuritaire, au moment où je vous parle, guerre et Zosalema, ma kasi, na est. Bon, mon ami, ma troupe a eu assez ma bimi, ma Kenya, ma bosse, ma bosse, ma bosse, ma zungulouke, ma linga, ma longwa, ma tia, ma place, ma longwe, ma tia, ma M23, ma Rwanda, ma kota.
FARDC asa sur le qui vive naba wazalendo bazo attaquer bango batine ba image nako l'accepter ba image en haute et ça ba image moro très atroce. On a le Sukhoi 25 et mataki di kolo et bombardaki. Il y a eu des gens qui sont très très batubakoufi et belé. Alors l'information la plus importante est la suivante. Le président Félix Tshisekedi vient de nommer le lieutenant-général Padiri Moulenda, nommé coordinateur national de la réserve de l'armée. Vous avez appris que réserve nationale, Ezali, réserviste, Bazali. Commandant la Bango, Yewana va nommer. Donc Félix Tshisekedi a aussi nommé Bango, Bazali, moi et Bélé. A nommé toi, aux côtés du lieutenant général, deux généraux, le général-major Mayanga, Azali, et l'autre général de brigade, Godas Sumpa, coordinateur adjoint de recrutement et de la mobilisation. Moussousou Azali, pour la bureau ya renseignement. En tout cas, bravo Fatih Beton. Wale zana cadre ba réserviste. Ba wazalendo, tant ba reformé bino, beaucoup ma réserviste, commandant la bino, yewala laxi bino, padiri, fait tshisekedi autigo, nommé. Alors, émission si l'anro, maman Charlotte a tini l'enga imwa, spot moko, bolanda yango, yampaka loui. Vous allez, ça va vous faire marrer, franchement. Vous savez que Sabino, Bolandaye, Bolanda, tout là. Alors, ma comédienne. Aujourd'hui, c'est la journée la plus importante de l'année. On va donner les résultats des examens. Je commence. Malala Mbongo, 1 sur 20. Bien, bon, comédie, bon, c'est comme un casse à transformer ma combo, à transformer ma combo, tout là, mais bon, là, non, bon, comprendre, bon, là, non, deux fois, trois fois, bon, comprendre, non, vous allez vous marrer, franchement, Monica Longi, là, non, bien, à chez Nabakaji, là, non, bien, Bioti Mavumu, là, non, bien, maman Agustin Choa, là, non, bien, maman Charlotte Natinelingaro, tout là, donc, mon vieux Bimbi José de Castro, je salue, maman là-bas Yvonne, maman là-bas Yvonne, femme d'affaires, la pessime beauté. Maman Félix Mpunga, je salue. Donc, et Monsieur Sili, portez-vous bien. N'oubliez pas de prier pour l'Afrique, prier pour la RDC, prier pour le président Félix Tshisekedi, et n'oubliez pas de prier pour votre humble serviteur, Kenjo Mukendi, le membre simple de UDPS. Bye, 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 bye. À la prochaine.